Salut à tous, une vidéo sur laquelle je vais poser une question. Peut-on sauver une DGLFI comme la Manjaro Linux GNOME pour la rendre utilisable? Peut-on? Je vais essayer. Donc là, je vais la prendre et essayer quand même de lui sortir un peu toutes ces merdes. Donc c'est une vidéo qui va prendre à peu près 10 minutes avec les 35 secondes de chargement de la DM, n'est-ce pas? Et le chargement de GNOME. On est parti. Parce qu'on met 35 secondes avec l'IDM WebKit Greeter. Voilà. Comme je n'avais pas réussi dans la précédente vidéo, dont vous trouvez dans le descriptif, à lancer la Manjaro Linux GNOME en version live, vous ne voulez pas démarrer. Donc là, ça va démarrer comme ça. Donc j'attends que ça se charge. Je vais vous faire grâce des 15 secondes d'attente à peu près du chargement d'IDM, n'est-ce pas? Je pensais que light c'était pour léger. Qu'est-ce que je peux être bête par moment? Alors t'accouches ou pas? Ah, ça y est, t'es accouché. Et on va peut-être enfin pouvoir peut-être profiter de Wayland. Parce que l'IDM n'est pas compatible Wayland. Alors que GNOME 3.22 l'est. Cherchez l'erreur. Donc on va se connecter. Et dès que GNOME veut s'en charger, je passe en plein écran. Si t'avances quand je recule, comment veux-tu que je mette mon pull? Allez, avance. Grati grata. Très léger, hein. Je veux bien que GNOME soit lourd, mais quand même, merde, faut pas exagérer. Voilà, donc là, le GNOME se charge enfin. On va lui donner une petite cure de jouvence. On est parti en plein écran. Voilà. Donc, si le plein écran veut bien s'afficher déjà. Si le plein écran veut bien s'afficher déjà. Il m'a planté, l'empâffé, le méchant! Saloperie, va! Ah, il a planté. Ah non, je crois que c'est qu'il avait planté. Donc là, je vais juste commencer. Je vais passer en plein écran. Donc, par sécurité, je ne vais pas passer en plein écran. Ou quoique. Non. Je vais rester. Voilà. Ou le méchant. Bon, pour le moment, je vais rester en écran réduit. Je préférais passer en plein écran, mais j'espère que je pourrai passer en plein écran une fois la purge effectuée. Je sens que c'est une vidéo très dure. Allez, mais. Ah, sale bête! Charge-toi, mes bêtes. Ouais, charge-toi, mes coucougnettes. Donc, on va lancer GNOME Tweak Tool. S'il veut bien me lancer quelque chose. Il est gelé, il est gelé, il est gelé. Va Bon. Ah, la saleté, il est gelé. Bon, on va faire CTRL F2. Voilà. Donc, première chose qu'on va faire, on va désactiver l'IDM. System CTL, disable l'IDM. On va l'arrêter. Ok, ça c'est bon, c'est désactivé. On va faire yaourt-syyy gdm. Autant installer le bon gestionnaire de connexion, n'est-ce pas? Qui charge aussi Wayland, donc c'est normal qu'on n'avait pas Wayland, n'est-ce pas? Donc là, je vais virer l'IDM. Yaourt-rcs. LightDM. Au revoir, WebKit GTK Greeter. Ça va faire du bien. Yaourt-qdt. D'accord, maintenant on va faire sudo systemctl start gdm. Normalement, gdm doit être un peu plus haut.
Oh, il est presque dans ses GDM. Presque. Oh, pas possible, GDM est lancé. Oh, on passe en plein écran. Voilà. Donc là, par contre, c'est juste pour cacher ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on va se connecter. D'accord, il manque GNOME Session. Yaourt-moi S, GNOME Session. On va le réinstaller. Donc, on va faire CTRL F1. Ah, ça y est. D'accord, j'ai pas vu que c'était comme ça. Voilà. Donc, on va essayer GNOME sur Xorg. GNOME sur Xorg, est-ce qu'il va bien vouloir se connecter? Ah, oh, sale bête! Bon, on va faire CTRL F2 et on va redémarrer ensemble. Peut-être que ça va bien vouloir démarrer cette fois-ci. On peut toujours rêver. Je crains que la réponse peut-on sauver une DGLFI filles soit non. Malheureusement. En tout cas, GDM est quand même beaucoup plus rapide que l'IDM en version WebKit GTK à lancer. C'est pas difficile. C'est même très facile. Donc, qu'est-ce qui va me lancer maintenant? Ah, c'est vrai, mince. Ah, bien sûr, il n'y a pas l'ADM, donc c'est normal qu'il pousse une gueulante. J'avais oublié, mais à coup de pas. Donc, je vais faire sudo systemctl enable gdm. D'accord. Merci Plymouth. Au revoir Plymouth. Alors, il y a autrement moi RCS. Ah ben, RCS Plymouth. Alors, mince. C'est bien Plymouth qui impose. Ouais. Donc, on va virer Plymouth. Plymouth qui impose. Utilisation de l'IDM. Ouais, bravo! Ouais! Au revoir. Donc, peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir activer GDM. Voilà. Oh! Cody! Donc, on va désactiver Plymouth. Disable Plymouth. Non, mais c'est vraiment de la mouise. Système CTL, grep Plymouth. Bien, on va. Alors, c'est LightDM Plymouth. D'accord. Sale bête. Bon, on va faire sudo reboot peut-être qu'il va bien vouloir accepter. Mais je pense pas. Non, c'est vrai, on voit tout de suite la distribution qui est personnalisable. Ouais, personnalisable dans ton fion, hein. Et bien profondément sans baseline. Alors que je demandais qu'il me vire Plymouth, il me lance quand même. Voilà. Alors, on va faire. Bingo! Fallait existe. Bon, on va faire sudo rm-f
Ça ne s'explique pas bien, mais je n'ai pas autre choix que le nom qui me force la main. Systemd, System Display Manager Service. Voilà! Client pas fait. Cool, hein? Donc là, on n'aura pas la bêtise du Plymouth qui ne sert strictement à que dalle. Du moins en théorie. Donc, est-ce qu'il va bien vouloir me lancer GDM? Qui est quand même un peu plus rapide à démarrer que l'IDM, il n'y a pas à dire. Oh! On y est presque. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Ouais! Donc, on va voir maintenant s'il veut bien me charger la session GNOME. Ah! Donc, on va faire ça. Alors, apparemment, ça va un peu plus vite. En tout cas, on n'est pas obligé d'attendre 15 secondes le temps que... Alors là, maintenant, on va faire un petit peu de nettoyage. Giclée, saloperie! Donc, toi, ta bouche. Donc, ça sert à rien du tout. Donc, on va prendre le Tweak Tool. Et on va voir si ça fait gagner du temps par rapport à la personnalisation, si on désactive les extensions. Alors, extension. La seule que je vais garder, c'est. Donc, Dash to Dock, je la vire. No Menu, je la vire. OpenWither, Taskbar, je la vire. Removable, je la vire. OpenWither, j'en ai pas besoin. Bon, quoique je peux garder OpenWither, c'est pas ce que ça mange. User Same, voilà. Déjà, on a une présentation un peu plus gnomesque. Ah, c'est quand même déjà plus agréable. Donc, on va fermer la session. On va voir déjà si c'est sur Wayland ou si c'est sur Xorg. Non, c'est sur Xorg, c'est pas sur Wayland. Donc, on va fermer la session. Fermer la session. Donc, là, on va voir. Donc, ça, c'est donc sur Xorg. Donc, tout court. Alors, la différence de temps de chargement. Ok, donc je suppose qu'on est en train de la session GNOME sur Xorg. Déjà, c'est quand même plus rapide. Détails. Merde, c'est pas d'ailleurs que je voulais, c'est des détails. Un sur Wayland. Voilà, donc on a un GNOME sur Wayland au lieu de notre ami GNOME sur Xorg. Donc là, je vais le redémarrer et je vais voir combien de temps il met pour charger GDM et pour charger Wayland. Enfin, GNOME sur Wayland, qui est un peu plus long que GNOME sur Xorg. Donc on va voir si c'est la différence de démarrage. Et je sens que ça va pas être triste. Donc là, on va compter à partir de la fin du Plymouth. C'était 16 secondes de mémoire pour l'IDM en WebKit SDK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il n'est pas fini apparemment de charger. 8. Pas 9, 10, à peu près une dizaine de secondes. Mais j'ai envie de recommencer par sécurité. Là, voilà. On va compter déjà le nombre de secondes. Bon, c'est un petit brouillage par rapport à Wayland. Hein. Donc, on va voir le nombre de secondes qui met à charger. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, en gros, mais 17 à 20 secondes pour se charger avec Wayland. Voilà. Donc, on va voir avec Gnome sur Xorg. C'est bien Gnome sur Wayland. On va savoir ça tout de suite, si c'est Gnome sur Wayland, mais je pense par rapport au petit glitch graphique. Détail. Non, c'est sur Xorg, autant pour moi. Je pensais que c'était sur Wayland. Donc, on va fermer la session. Peut-être que sur le demande de recharger Gnome, il va peut-être nous charger Gnome sur Wayland. Mais c'est un peu expérimental dans sur Wayland, donc ça fonctionne, ça peut très bien fonctionner comme ne pas fonctionner. C'est un peu aléatoire. En tout cas, c'est quand même plus rapide que la version officielle. Et c'est surtout plus léger. Alors, propriété, Gnome sur Wayland, Gnome sur Xorg. C'est sur Wayland. Voilà, donc vous avez un Gnome Wayland. Mais c'est quand même un brin plus rapide. C'est pas 100% plus rapide. Mais au moins, on a quelque chose de rapide. Bon, Wayland est un peu plus lent à charger. Mais on est loin de l'horreur du LightDM. Je m'excuse. Voilà, donc ça, c'est un petit glitch graphique. Donc, on va voir une dernière fois la différence de vitesse. Je vais redémarrer l'ensemble. Une dernière fois, pour voir ce que ça donne. En comptant le fait que c'est peut-être Gnome sur GDM, ça peut être changé en mode Wayland. Donc, c'est un peu plus lent. Donc, on est parti. Je vais carrément sucrer le Plymouth parce qu'il m'énerve. Voilà. Donc, sauver une DGLFI, c'est pas évident, mais on peut y arriver. Ouf. Donc, dès qu'il va arrêter de compter, d'afficher quelque chose, je vais compter le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, donc là, il y avait à peu près encore une vingtaine de secondes, mais comme c'est surchargé sur Wayland, mais quand même, on a du léger. Parce que la DM ne se charge pas en 15 secondes. Donc je sais pas si ce sera Gnome sur Wayland ou Gnome sur Xorg, mais c'est quand même déjà plus rapide. La flèche apparaît plus rapidement. Et surtout, l'ensemble est plus svelte. On n'a pas besoin d'attendre de cliquer 15 fois pour afficher une session. Mercredi. Voilà, c'est quand même mieux, hein? Alors, je suppose que ça va être une session Xorg. C'est pas ça que je vais faire. Donc on peut sauver une DGLFI, mais vous savez quoi? Partez directement d'une session du Manjaro, NetInstall et installez Gnome par-dessus. Vous serez largement moins dans la moumouise. Voilà, c'est Gnome sur Xorg, c'est pas grave. Voilà, donc je vais éteindre la machine virtuelle. Donc, est-ce qu'on peut sauver des DGLFI? Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas plus simple de partir, par exemple, du Manjaro NetInstall avec Xorg, NetInstall et rajouter le Gnome dessus? Oui. Donc, oubliez cette distribution. Si vous voulez Manjaro plus Gnome, installez-le par vous-même. Allez, salut!